Votre avis à ce maître? Bon, je ne dirais pas grand-chose parce que je suis arrivée en retard premièrement. Avec le peu que j'ai entendu aujourd'hui, j'avoue que chaque Gabonais a su quand même un peu sa place dans la culture. Et chacun a su apporter une pierre à l'édifice parce que, premièrement déjà, la nuance entre la religion et la culture, ça a été un débat parce que beaucoup aujourd'hui font de la religion. Comme disait Karl Marx, la religion devient aujourd'hui le pion du peuple. Pourquoi? Parce que chacun essaie de s'approprier la chose à sa façon. Ça veut dire que les idées convergent, donc chacun a son point de vue sur la chose. Mais ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que l'idéal serait que chacun essaie de repartir à la source, que chacun essaie d'aller sur place pour pouvoir accueillir ses propres connaissances, et de se faire des préjugés sans savoir ce qu'il y a derrière la chose. Merci beaucoup, maître. Et un mot de fin pour l'encouragement pour le groupe et tous les Gabonais en général. Ton message cas, moi, j'encourage tous les Gabonais, surtout la diaspora, comme disait Marina, à s'unir en fait. Et enlever cet esprit d'égoïsme. Parce que, après, moi, j'ai un peu ma petite expérience face à la diaspora du Maroc. Comme je disais, ma première année, j'étais très active sur les activités. Mais avec tout ce que j'ai eu comme conséquence, je me suis dit, je ne peux pas me défaire de la chose. Après, je me dis, pour un Gabon plus épanoui, pour une diaspora plus unie, il faudrait qu'on puisse briser ce genre de comportement. Donc aujourd'hui, moi, j'interpelle tout le monde à pouvoir s'unir, en fait, une comme une seule personne, et que nous puissions faire en sorte que le Gabon puisse être développé par nos idées, par notre culture et par nos différents arts. Merci beaucoup. Donc, des avis à chaud au sortir de cette conférence. I don't speak French. Même à ça, là. I don't speak French. Grâce à mon avis à chaud au sortir de cette conférence. Seigneur. Donc, c'est vrai qu'on est en train de manger, là. Fanny, moi, tu vas me donner mon avis. Oui, oui. Donc, on va prendre les avis à chaud. Ton avis à chaud, est-ce que tu es satisfaite en tant que membre de l'échange? Comment tu as trouvé les compatriotes? Sympa. Le message est passé, comment sera ce passé quand même? Que les gens nous mettent en effet, on leur a dit que c'est le but, c'est pas que les gens. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je parle. Ton avis à chaud, vite fait. On va prendre les avis à chaud, donc on est là. Luc, tu as un avis à chaud, tu as quelque chose à dire au sortir de cette conférence? Je veux dire que je suis très fier de vous, parce que vous avez opté pour une voie très noble. Vous parlez de la culture gabonaise, de la tradition, c'est des choses que beaucoup de jeunes ont abandonnées. Vous voyez donc, beaucoup de jeunes n'en parlent pas, beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas. Juste vous féliciter de nous avoir réunis pour parler d'un sujet aussi important et vous encourager. Merci beaucoup. Jordine, ton avis à chaud? Juste, je suis très heureuse du fait que les jeunes d'aujourd'hui, donc nous pensons à mettre en œuvre un projet de ce genre, parce que je sais que c'est un projet qui pourra aider plus tard même les générations à venir. Et le fait d'avoir abordé tous ces points, pour rester stimulé entre nous dans les pays étrangers, pour ne pas être conservé. Pour la dévolution et la croissance. Merci beaucoup. Jordi, tu vas chanter pour nous? Arrête ça. Donc, les gars, les avis à jour? Lucien? Est-ce qu'il y a un matin de manger? Non, mais sinon, vraiment, une bonne initiative. C'est vraiment une très bonne initiative. Déjà, l'idée et la réunion qui s'est passée aujourd'hui, c'est vraiment très enrichissante. En fait. C'est vraiment apprécié.
Merci. Satisfait? L'IGF? Oui, bien sûr, c'est avec un sentiment de satisfaction que je sors de cet événement. Je pense que parler de nos sources, c'est la base. Comme l'a dit Iris tout à l'heure, c'est la base. C'est des choses que nous avons laissées depuis longtemps. Je pense que si on les ramène maintenant, on ne devrait pas s'étonner de ce qui se passe au sein de la jeunesse actuellement. Merci. Monsieur le vice-président. Le navire est chaud. Oui. Alors, je dirais que ça a été pour moi un honneur de prendre part à cette rencontre très enrichissante, parce que lorsqu'on parle de culture, on parle même de tout ce qui est qualité intrinsèque même de tout individu. Alors j'ai pour habitude de dire que reconnaître son ignorance, c'est la preuve qu'on est prêt à acquérir de la connaissance. Alors j'invite tous les Gabonais à faire un retour aux sources pour davantage connaître qui ils sont et vendre l'image, le patrimoine même de notre merveilleux pays, notre merveilleuse nation qui est le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Merci. Revoluste, ton avis à chaud ? Bon, je vous dirais que c'est une très bonne initiative parce que c'est bien de revenir sûrement ces sources, parce que la source, on dirait que c'est l'une des bases, c'est l'une des choses essentielles. Pour moi, j'ai beaucoup appris ce soir. C'est vrai que j'ai beaucoup écouté. C'est vrai que j'ai pas pu peut-être certainement adhérer à certains points, etc. Mais j'ai beaucoup appris et c'était vraiment un moment très enrichissant pour moi et j'en suis fier d'être. Je ne regrette pas parce que voilà, quoi, je suis très content et très fier d'être venu dans ces temps et de pouvoir apprendre encore de ces choses. Je vous remercie vraiment pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Nous sommes arrivés au terme de la cérémonie. Amanda, on a vu à chaud. Ton ressenti au sortir de cette rencontre, comment c'était de te retrouver avec tes compatriotes? Vraiment, c'était intéressant. Et puis, c'était un grand échange et rencontrer autant de personnes. Parce que moi, je suis très sectaire. Donc... Pas à l'impérial. De temps en temps, quand lui là, il m'emmène. Oh là 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 là. Moi, je t'avoue qu'à l'intérieur. Tu veux ça? C'est mal bon, petit peu. C'est dangereux. Oh non, live encore là! Ah bon? Non, mais c'est dangereux ça! Non, mais. Non. Bon, mais toi, la vie à chaud, c'est pas grave! Non, mais écoute, moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est les parents, s'il vous plaît, apprenez à vos enfants. Gabonaise. En fait, vous êtes des vrais acteurs. Nous, ce qui se passe là, c'est un lancement, mais vraiment, il faudrait que les parents suivent. Vous ne m'avez jamais contacté. Sinon, c'est très bien. Mais en plus, on a tellement dit, président, qu'il y a beaucoup de choses en vue prévues cette année pour la communauté gabonaise au Maroc. Beaucoup de choses, vraiment. Vous avez dit que vous allez. Tous les Gabonais qui font le cœur, c'est de faire tout ce que c'est Maroc, à mon avis, puisqu'il n'y a pas de GM, bureau exécutif. Abonnez-vous pour avoir le maximum d'informations par rapport à tout ce qu'il y a. Non. C'est le Gabon qui gagne. Merci beaucoup, force à nous. Donc, on va laisser nos compatriotes manger et sur cette belle note, se termine la conférence. Voilà, donc un avis à chaud pour par ici, vite fait, le ressenti. C'était bien. C'était bien. Merci beaucoup. Maître, encore quelque chose à rajouter? Non, ça va? Non, ça va. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée à tous et votre message aux Gabonais qui nous regardent. Restons unis. Restons unis, merci. Elle a tout dit, restons unis. Voilà, restons unis. Votre message aux Gabonais qui nous regardent, président. J'ai dit quoi? Restons unis. Restons unis. Non. Soyons unis, parce qu'il y a beaucoup de choses là, sur le temps politique, là, n'importe quoi. Soyons patriotes. Soyons patriotes, merci. Lutte ton message aux Gabonais qui nous regardent. Attachons-nous. J'ai déjà parlé, mais je vous aime, j'aime mon pays. Attachons-nous à la culture. Si on veut regarder une vidéo de Gabonais qui danse, qui expose la culture à travers les danses traditionnelles dans leurs écoles, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si ça se fait dans les écoles encore. À part au primaire, en lycée, je ne sais pas si ça se fait encore. Ça doit se faire, donc mettons la culture en valeur. Oh. Amanda, ton message aux Gabonais qui nous regardent? Dansons. Aimons notre culture et préservons notre patrimoine parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, il arrive un tournant
Ah, mais en fait, le gâteau aussi, il y avait le gâteau. Ils sont partis. Vu qu'on était sous les deux ans, en fait. Voilà, c'est les deux ans, en fait, de l'association. Donc, il y avait aussi un gâteau. Oui, c'est pour nous. Voilà, donc, deux anniversaires à nous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Retour au Sous Gabon. Joyeux anniversaire. Voilà, donc, voilà, ça fait deux ans que le projet est là et maintenant on va manger le gâteau des bon, deux ans. Pardon, mais ça va nous demander un service. C'est l'anniversaire de ma petite soeur aujourd'hui. C'est ça aussi, non? Oh, c'est pour moi. Donc, nous, on va d'abord couper. On va maintenant déguster le gâteau. On va déguster tout ça. Et on vous dit à la prochaine. Rendez-vous pour la prochaine table ronde. Certainement au Sénégal, pourquoi pas, avec nos ambassadeurs du côté du Sénégal. Ou en France, avec la team Azeva de la France. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les soutiens qui sont derrière Azeva. Merci beaucoup. Et force à nous, c'est le Gabon qui gagne. Merci, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager le live. N'hésitez pas à partager le live aussi. Et les vidéos seront disponibles sur YouTube, sur Instagram, sur les comptes. N'hésitez pas à partager le live. Bonne soirée. Et voilà, que Dieu bénisse le Gabon et nous avec.